Mad Max en ce moment. Donc, alors juste pour vous dire, bah, on n'est pas nombreux, mais c'est normal parce que, bah, évidemment, il y a des copains et des copines qui ne peuvent pas venir parce que ah bah tiens, ça fait du bruit ça. Parce qu'un réservoir de moto, c'est pas énorme. Puis il y en a d'autres qui économisent leur essence parce qu'ils vont vouloir venir aujourd'hui, et d'autres qui viendront pas, qui viendront demain, puisque je vous rappelle que demain nous avons à nouveau rendez-vous devant la mairie de Paris à 12h30, de l'autre côté rue Lobau, puisque commencera le Conseil de Paris. Alors, la guerre de la communication a commencé, puis c'est assez intéressant, puisque Monsieur Béliard, en parfait despote, commence à donner quelques informations à la presse en disant que, ben, la mesure passe parfaitement bien, que tout va bien, qu'il n'y a pratiquement aucune contestation et que les gens s'habituent tout doucement à cette mesure de stationnement de roues motorisées payant et que ça pose aucun problème pour le moment. Ce qui est totalement faux. Voilà, on peut... C'est de la propagande, hein. C'est ce qu'on appelle de la propagande et de la désinformation. C'est ce que font les despotes en général, hein. Et puis, les statistiques aussi, il y a quelques statistiques qui disent qu'il n'y a que 40% des usagers de roues motorisées qui, pour l'instant, ont payé leur stationnement. Voilà. Et puis, de toute façon, il faut savoir que quand on veut s'inscrire, même si on veut jouer le jeu, qu'on veut s'inscrire sur le site de la mairie de Paris pour acheter un abonnement, pour s'abonner, eh bien, ça ne fonctionne pas tout le temps. Voilà, donc il y a pas mal de gens qui ne peuvent même pas avoir leur abonnement alors qu'ils le désirent. Voilà, donc la mesure, non, elle ne passe pas bien, c'est faux, elle passe très mal. Et oui, il y a de la contestation puisqu'on est là et ils le savent très bien. Ils peuvent mentir autant qu'ils veulent. Ils le savent très bien puisqu'ils demandent systématiquement à la préfecture de police de Paris de tenter de nous faire taire parce qu'on fait trop de bruit. Alors la dernière fois, on était là-bas. Aujourd'hui, on est ici et demain, on sera encore là-bas. Donc, on peut continuer à contester. Bravo à toutes et à tous d'être ici. Alors, justement, s'opposer non seulement à cette mesure, mais aussi au mensonge de la mairie de Paris. Eh bien, pour celles et ceux qui pensent que c'est fini, que c'est mort, que c'est pas la peine de manifester, c'est faux. Justement parce qu'on doit montrer que même si la mesure est passée, il y a une forte opposition de toute façon, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour que les autres maires des autres villes n'aient pas l'idée de mettre en place ce genre de mesure débile et qui va complètement à l'encontre de la mobilité. On rappelle quand même qu'on a 275 km de bouchons tout autour de Paris chaque jour, c'est la moyenne, hein. 275 km de bouchons cumulés, et que donc un deux roues motorisé, c'est quand même une réelle solution en termes de fluidité et de mobilité, et donc d'écologie. Et pour rappeler à la mairie de Paris que rouler à moto, c'est écolo. Puisque Marie-Jo a été embarquée en tant que signataire de la manifestation, elle a été embarquée par nos amis policiers.
et pour un relevé d'identité et verbalisation. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que ça, c'est pas ça qui va nous faire taire, c'est pas ça qui va nous faire arrêter. Bien au contraire, ça nous motive encore plus parce qu'on attend les PV justement pour pouvoir les protéger et aller au tribunal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être justement condamnés pour pouvoir aller au tribunal et contester ce qui se passe. Voilà. Donc on a des avocats qui sont là pour ça et en aucun cas on lâchera la chaleur. Un peu de bruit parce qu'on s'entend plus parler là. Donc, on peut faire du bruit, on s'entend plus parler, c'est incroyable. Les problèmes sont durs. Hein. Bon, apparemment, ça vise aussi les passants. Devant la mairie de Paris, bah oui, il n'y a pas que les concerts organisés par la mairie de Paris qui sont sympas. Donc je vous rappelle, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, il y en a quelques-uns, quelques-unes. En tout cas, merci d'être là, parce que c'est quand même important qu'on se batte contre cette mesure, et qu'on continue à s'y opposer. Bravo d'être là, malgré la problématique pour trouver de l'essence. Et puis, c'est sûr que vous faites aussi votre endroit pas, donc c'est sympa, c'est bien. Et surtout, on vous rappelle encore que la mairie de Paris, notamment M. Béliard, s'amuse à dire dans les médias que la mesure passe parfaitement bien, qu'il n'y a aucune opposition, que ça se passe sans aucune contrainte et que les gens ne s'en sont pas offusqués plus que ça. Nous, on vous rappelle quand même les statistiques. Les statistiques, les vraies statistiques, c'est qu'aujourd'hui, 40% d'usagers de roues motorisées ne payent pas leur stationnement. Et que de toute façon, même si on veut prendre un abonnement au niveau de la mairie de Paris sur le site, c'est très compliqué parce qu'ils sont dépassés eux-mêmes par leur système informatique et qu'il est difficile d'avoir un abonnement. Alors, on est soupçonné également de refuser l'abonnement à ceux qui n'auraient pas les vignettes critères adéquates, c'est-à-dire qui cumulent les feux et stationnement payants. Celles et ceux qui ont des véhicules trop anciens, apparemment, ne seraient pas éligibles à avoir un abonnement. En même temps, on s'en fout, puisque de toute façon, on ne l'achètera jamais. Je vous rappelle que la FFMC, les membres de son bureau et les militants ont décidé de boycotter totalement cette mesure, et donc on va juste au bout de nos convictions. On appelle à la désobéissance civique, on appelle à ne pas payer les stationnements de roues motorisées à Paris. Oui, alors, il y a quelqu'un parmi nous qui me rappelait tout à l'heure. Il y a quelqu'un parmi nous qui me rappelait tout à l'heure que, bien évidemment, on s'oppose, nous, au stationnement payant de roues motorisées. Et puis, donc, nous, on ne va pas payer. Alors, on ira jusqu'au bout de nos convictions. Mais, on me rappelle également que nous allons mettre en place sur notre site. Pour quelques temps pour que ça se fasse, avec nos avocats, nous allons mettre en place une procédure de contestation. Voilà. Pour celles et ceux qui veulent ne pas payer, qui se prennent une prune, on mettra en place une procédure de contestation. N'hésitez pas à aller sur le site FFMC 75.net. Donc on vous invite à vous disperser tranquillement, dans la joie et la bonne humeur, en faisant attention à vous, en prenant soin de vous. À demain si vous le voulez bien. Merci à tous.
Et attention, feu rouge là-bas. Attention, arrêtez-vous bien au feu rouge, parce que la dernière fois, il y a eu quelques prunes qui sont tombées pour non respect du feu, qu'on a contesté aussi puisqu'on est en manifestation, mais respectez le plus qui est au bout. Rentrez bien, et à demain. Ciao, ciao. I have the block for traveling. Attends une semaine, je vais encore plus cher.